Salut à tous, bonjour. Comme promis, je vous reviens avec la recette de Agbeli, cette pâte qui accompagnait ma sauce à tzatziki, la sauce à tzatziki dont vous avez le lien ici. Donc, voici les ingrédients pour faire le Agbeli. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, le Agbeli, cette pâte-là, est un repas qui se consomme au Bénin, au Togo, aussi en Côte d'Ivoire, on l'appelle la Kali, même si c'est préparé différemment. Pour faire de l'agueli, il vous faut juste l'amidon fermenté de manioc, un peu de farine maïs fermenté aussi, et de l'eau, tout simplement. Donc faites bouillir de l'eau, environ 1 litre si vous voulez. Réservez à peu près les 3 quarts et mettez de l'eau, mettez. Versez votre pâte fermentée dans l'eau chaude, touillez bien et commencez par mettre petit à petit l'eau réservée pour qu'elle puisse cuire l'amidon cru. Surtout le sucre réside dans le fait de rajouter de l'eau parce que la casserole que vous utilisez risque de brunir si vous comptez seulement sur le feu qui cuit la pâte. Comme c'est assez épais, il revient de rajouter de l'eau progressivement jusqu'à ce que la pâte cuise. Benye chama ima koda banula nyona ma era ba fifi kemba doa awe drona ndona umya benu koko kake umaye mi blegao ndona um akwe nyamuabe kofi kweto ajovi plida. Si vous résidez au Bénin ou au Togo, le Agbeli se trouve sur les marchés, mais si vous êtes en Europe ou ailleurs, vous trouverez le Agbeli en épicerie. Ou fabriquez votre amidon chez vous avec le manioc. Soit vous l'achetez depuis le pays, vous conservez, soit vous l'achetez en épicerie africaine. Moi, je l'ai ramené du pays, mais par contre, ma farine de maïs qui l'accompagne, je l'ai moi-même réalisée en laissant fermenter la farine de maïs dans de l'eau pendant 48 heures. Le secret de la réussite de cette pâte réside dans son élasticité. Pour y arriver, donc, n'hésitez pas à bien travailler la pâte comme je l'ai fait avec de l'eau chaude, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Travaillez bien la pâte avec de l'eau chaude. D'aucuns me diront, mais pourquoi est-ce qu'il faut rajouter la farine de maïs? Le maïs fermenté vient en fait consolider davantage pour que la pâte ne soit pas trop fluide. Donc si vous voulez avoir une pâte bien consistante, je vous recommande de faire fermenter de la farine de maïs, ce qu'on appelle aussi du maouais chez nous. Voilà. N'oubliez pas que si vous ne faites pas cuire correctement l'amidon, vous risquez de faire la diarrhée aux gens de votre maison. Donc je vous recommande de laisser cuire quand même. Donc la préparation en tout et la cuisson, on peut mettre 20 à 30 minutes selon la quantité que vous préparez. Voilà, le Agbeli est prêt. Ne vous reste qu'à le déguster avec la sauce que vous aimez. Et je vous dis bon appétit.
À très bientôt. Miam miam bénin.